Cette petite table en bois, je n'en ai plus besoin. J'ai décidé de la déposer à la Cité du réemploi de Sausheim. Je vous fais découvrir ce lieu en avant-première. La Cité du réemploi, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors les Cités du réemploi, en trois mots, c'est un lieu où on peut déposer des objets dont on n'a plus besoin. C'est un lieu où on peut aussi acheter des objets de seconde main. Et enfin, c'est un lieu où les habitants et la population peuvent participer à construire une autre consommation par le biais d'ateliers participatifs. Quel est le but aujourd'hui d'acheter d'occasion? Aujourd'hui, un projet comme la Cité du réemploi, ça s'inscrit parfaitement en fait dans l'évolution des modes de consommation. On voit bien notre société aujourd'hui est complètement malade de sa surconsommation et aujourd'hui il faut qu'on imagine des nouveaux modes de consommation. La Cité du réemploi est un outil au service d'une autre consommation. Et donc de réduire ses déchets. Et donc forcément de réduire ses déchets. Tous les coquetiers j'achète. Donc aujourd'hui, cette vaisselle va retrouver une nouvelle vie. Oui, tout à fait. Comme par exemple, les petits coquetiers que vous voyez là, ils ont été vérifiés, s'ils ne sont pas ébréchés, ils ont été nettoyés et puis ils seront mis à la vente. Ça peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Moi, par exemple. Par exemple. Rendez-vous le samedi 20 novembre pour une journée officielle d'inauguration de la Cité du réemploi avec des ateliers festifs et participatifs. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la Semaine européenne de réduction des déchets sur le site et les réseaux M2A.